J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Vous avez unboxé une Puma, une Reebok ce soir, c'est une Adidas. Alors je suis content parce que je respecte de plus en plus ma wishlist. J'avais fait une petite wishlist de sneakers que je voulais, je vais vous le mettre en bio si vous voulez voir. Et là du coup j'ai acheté une paire que je voulais. Même si elle m'a coûté cher, enfin moi je trouve que c'était cher, je suis content de l'avoir. En plus je trouve que la boîte est vachement originale, mais bon on va voir ça après. Mais comme d'habitude direct on change de plan et on va unboxer. Du coup la boîte voilà comment elle est. Je la trouve vraiment grave belle. J'avais jamais, si j'avais déjà eu une boîte Adidas mais elle était orange. Là je la trouve grave grave belle, limite on s'en fout un peu tu vois, mais enfin c'est toujours grave d'avoir une belle boîte même si je l'ai acheté. Ouais moi je garde pas mes boîtes les gens, je sais pas si vous les gardez, dites moi si vous gardez vos boîtes. J'avais déjà demandé sur Insta mais il y avait pas énormément de gens qui m'avaient répondu, donc si vous gardez vos boîtes dites moi et engueulez moi. Donc j'ai pris donc comme d'habitude du 45, sauf qu'Adidas en fait c'est pas des tailles rondes, donc j'ai pris 45 un tiers, je préfère ça plutôt que 44 deux tiers et me retrouver avec une paire qui est trop petite. Et là je vais la tester, je vais voir si elle est trop grande ou pas. Donc ouais ça revient à US 11, ça on s'en fiche un peu. Si vous voulez savoir, je l'ai pas acheté sur Adidas, je l'ai acheté sur la Redoute parce que il y avait une réduction, c'était à 127 euros au lieu de 180 environ, un truc comme ça. Ouais ça doit être un truc comme ça. Je pense pas que la réduction soit toujours d'actualité là parce qu'on n'est plus dans les soldes. Donc ouvrons sans plus attendre la boîte parce que la paire encore une fois, pour que ce soit vraiment authentique et que j'ai la réaction bah en live, j'ai pas vu. Donc je sais pas du tout si ça va me plaire, j'espère quand même parce que sinon je devrais la renvoyer. On l'aime bien. Waouh, hey, je savais pas que ça, cette matière là c'était aussi... C'est ultra mou en fait, regardez, on dirait c'est du tissu en fait. Ah j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon le design en fait c'est un design vraiment très très simple, mais on m'a dit qu'elle était ultra confortable, donc je suis trop pressé de la porter. Je sais pas trop quoi vous dire dessus, à part que, ouais, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça en fait. Non, on dirait du tissu, je sais pas comment ça s'appelle la matière, j'ai pas vraiment fait de recherche, je dois vous dire. Là il y a la partie boost, ici. Si je suis amené à prendre d'autres ultra boost, je prendrai dans d'autres coloris évidemment, donc je prendrai peut-être gris, et etc, bleu, nanana. Mais là j'ai voulu commencer avec un design simple. J'aime bien les mélanges de noir et blanc sur les sneakers, je trouve ça stylé. On dirait du tissu en fait, c'est vraiment tout, c'est ultra léger. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense que c'est la version 4.0 parce que j'avais fait des recherches dessus avant, mais j'avais pas trouvé la différence entre la version 3.0 et la version 4.0. Donc je vous dis 4.0, ça se trouve c'est 3.0, mais bon, qui cala en fait. Au final, c'est vraiment une paire que j'ai acheté parce qu'on m'a énormément, mais énormément vanté son confort, que ce soit mes proches ou sur YouTube. Donc j'ai vraiment eu envie de tester et vous donner mon retour. La matière, on dirait vraiment une matière chausson, c'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça. J'avais une discussion avec quelques personnes à propos du bout là, un peu remonté. Eux, ils trouvaient ça moche, mais moi je trouve ça original. J'aime bien, j'aime bien. Après, à voir comment ça remportait, mais comme ça, j'aime bien. Bon là, je crois que j'ai assez parlé. En plus, j'ai trop, trop envie de voir ce que ça donne porté. Donc là, je vais la porter directement, on va passer au dernier plan où je vais vous donner mon impression sur cette paire, comment je me sens dedans et je vais vous montrer évidemment quelques plans portés. On s'est tellement pas foutu de moi, les gens, cette paire est trop confortable. La semelle, tu la sens, tu vois, elle est présente, mais elle est tellement molle, c'est... De toute façon, la chaussure, de base, on dirait qu'elle se plie, on peut la plier tellement elle est confortable. Ouah, non, en vrai, je pourrais tellement garder ça pour marcher chez moi, je vous dis la vérité. En fait, c'est comme si t'avais une seconde peau autour, j'exagère pas, hein. Ceux qui ont des ultra boosts, de toute façon, ils comprendront, mais je comprends pourquoi on m'a dit qu'elle était archi confortable, parce que franchement, tu te sens trop bien dedans. Bon, après, du coup, vu qu'elle est super confortable, je me demande si je pourrais faire du sport avec, parce que j'ai besoin d'un maintien, tu vois. Et ça, comme c'est limite un chausson, je me vois mal faire du sport avec un chausson, t'as vu. Mais ouais, franchement, le confort est nickel. J'ai jamais senti une chaussure comme ça. Tu sens un peu le petit boost aussi. Bon, c'est pas énorme, mais tu sens quand même que quand tu marches, enfin, moi, ça me fait une espèce de sensation de ressort. C'est cool. Mais ouais, la paire, elle est tellement malléable, on dirait que tu peux la plier. Donc ouais, vraiment cool. C'est ma paire la plus confortable de loin. Donc les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Normalement, le prochain unboxing, ça sera une Nike. Normalement. Mais bon, comme je suis pas du tout organisé, c'est possible que ce soit pas ça. Donc à mercredi pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les gens, tchuss.